Bonjour Victor. Bonjour. Tu vas bien? Bonne visite. Très bien. Couvreur, CAP, BP, mention Zingri aussi, et les étancheurs sont à l'extérieur. C'est des machines qui sont de nouvelles technologies, c'est qu'on aura beaucoup moins de chutes. Super. Les pièces, les profondeurs, etc. Nickel. Pour commencer, je pense que c'est important de rappeler que nous sommes sur le bassin minier. C'est une terre de courage, une terre de force. Cette force de se réinventer. Et ça, ce sont des valeurs qu'on partage à Apprentis d'Auteuil. Le CFP, donc 10 ans, on a de très bons taux de réussite, on a des jeunes qui sont fiers d'avoir le parcours qu'ils ont eu, qui savent faire leur métier, qui travaillent bien. Et j'ai envie de dire, 10 ans après, le pari est plus que réussi. Je suis reconnaissant aux Apprentis d'Auteuil et au Centre de formation professionnelle de Sainte-Barbe de rendre très fiers ceux qui s'engagent dans cette voie de l'apprentissage. Allez, tout le monde pour la photo. J'ai dit à mon équipe que je voulais apprendre fou pour les 10 ans. On compte avec moi. 1, 2, 3. À l'occasion des 10 ans du Centre de formation professionnelle Sainte-Barbe d'apprentis d'Auteuil, nous vous présentons la très belle réalisation de notre équipe et de nos jeunes, la Tiny House, qui a été faite en moins de 6 mois, réalisée par toutes les sections du Centre de formation professionnelle. Voilà, tout le monde a mis la main à la pâte. C'est un vrai projet d'équipe.